Alors que nous nous embarquons dans la grande tournée des fermes canadiennes, il est important de reconnaître que nous nous trouvons sur les terres traditionnelles des peuples autochtones. L'agriculture en classe Canada reconnaît et honore la présence durable des diverses communautés autochtones à travers le Canada, y compris les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Nous reconnaissons le lien profond qui existe entre les peuples autochtones et la terre, les eaux, les ressources et l'agriculture. Nous les exprimons notre gratitude pour l'intendance et la garde de ces terres depuis des générations. Agriculture en classe canadienne reconnaît que la reconnaissance des territoires traditionnels sur lesquels nous résidons et travaillons est un petit pas vers la réconciliation. Nous demandons à chacun de continuer à en apprendre plus sur les peuples autochtones de ces régions, de considérer l'histoire et le colonialisme actuel sur ces terres et de réfléchir à la façon dont chacun d'entre nous peut contribuer à la réconciliation. Bonjour à tous, joyeux Halloween, bonne journée des récoltes. Bienvenue à notre prochaine étape de la saison 4 de la Grande Tournée des Femmes canadiennes. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui des gens de partout au Canada. Je m'appelle Mercedes Unwin d'Agriculture en classe Canada. Je serai votre animatrice aujourd'hui. Avant de commencer, voici quelques rappels. Pour ceux qui souhaitent suivre en français, veuillez utiliser le lien Boostlingo qui est fourni dans le chat ou la description pour accéder au service d'interprétation nous demandons à tous de garder à l'esprit qu'il s'agit d'un événement éducatif et que les comportements inappropriés dans le chat ne seront pas tolérés comme les pourriels et les commentaires déplacés. tout au long de la visite nous vous invitons à poser vos questions dans le chat. nous répondrons autant de questions que possible. le mot mystère pour vos cahiers d'activité apparaîtra à la fin de cet épisode. restez avec nous pour le découvrir. des réponses importantes pour le cahier d'activité des élèves comme l'arme provinciale et la signification des armoiries provinciales seront partagées pendant la pause. Enfin, nous aimerions savoir d'où vous vous joignez à nous. Indiquez-nous votre école et votre lieu de résidence dans le chat. Nous aimerions maintenant accueillir notre hôte d'aujourd'hui, Clinton Monchak, qui est un, un agriculteur de semences euh, de la Saskatchewan. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui, Clinton. Nous avons quelques vidéos aujourd'hui des travaux qui se passent sur votre ferme. Mais avant, parlez-nous un peu de vous. Bien sûr, alors j'y porte plusieurs chapeaux. Je suis le directeur exécutif de Farm and Food Saskatchewan. Je suis également le directeur exécutif de Food Focus qui est un peu comme une euh, campagne nationale qui vise à enseigner aux gens euh, plusieurs aspects sur la sur la nourriture. Sur ma ferme notre exploitation euh, avec moi et mon frère nous ex, nous nous occupons des opérations fermières ensemble à Saskatoon, quand nous habitons à Saskatoon, mais nous avons aussi des opérations à Regina. Sur notre ferme, moi et ma famille avons des cultures sur cette, sur cette terre depuis 1906. Et c'est en fait avant que le, la province s'est à la Confédération. Alors. Les opérations ont commencé de l'autre côté de la route où nous, nous en trouvons maintenant. Et nous avons maintenant environ 4000 acres. Peu... C'est quelques acres, l'équivalent d'un terrain de football. Nous avons acheté cette ferme de mon père, mais nous sommes à peu près la quatrième génération de fermiers ici. Et nous sommes fiers de prendre soin de la terre et de respecter cette terre et de nous assurer que cette ferme va être durable et capable de continuer ses opérations pour la prochaine génération. Donc, j'ai un fils qui a 15 ans et une fille qui a 11 ans, et si un jour ils souhaitent devenir euh, des agriculteurs, je veux que ce soit une option qui est viable pour eux. Alors, nous aimons parler avec d'autres gens de ce que nous faisons sur notre ferme. Nous utilisons des technologies modernes, de la science. Et nous espérons pouvoir piquer votre curiosité sur, sur la production de nourriture et euh, possiblement vous avoir nous joindre dans le domaine de l'agriculture un jour lorsque vous terminez vos études. Alors, je vous rends le micro, Mercedes. Oui, merci beaucoup, euh, Clinton, pour nous avoir parlé de votre passé. Alors, waouh, c'est super d'avoir de la culture par le fait que vous portez plusieurs chapeaux. De mon côté, j'ai euh, étudié comme professeur et j'ai étudié l'éducation. Et puis, je me suis au travers de mon parcours, je suis tombé en amour avec tous les différents chemins qui permettent de en fait qui nous permettent de naviguer notre culture. Alors, commençons avec la première vi vidéo sur l'ensemencement. Alors, j'ai pensé vous expliquer le système d'ensemencement. C'est assez compliqué. Ça commence probablement au début de mai et jusqu'au début de juin. Ce que vous voyez ici, ce sont des, des tanks de capacité avec de, de, de l'azote. Cette bonbonne, cette bonbonne contient des fertilisants C+. Alors maintenant, j'ensemence de l'orge pour la bière. Alors, il faut ajuster ces manivelles pour s'assurer d'avoir le, les bons ajustements pour ce type de, de semences. Et tout ça sont basés sur les recommandations d'un scientifique des sols nous, auxquels nous demandons les services. Donc, vous trouvez ici de la pression à l'air. Et vous, voyez, vous venez de voir le ventilateur qui est ici et qui, qui donne la pression pour tout le système. Donc les, les semences et le fertilisant passent par ces tubes et elles passent tout au long de ce système ici et par ces plus petits tubes et elles se rendent jusqu'à ces pièces ici et ce sont des des pièces qui assurent l'ensemencement le, précis des, des semences. Comme ce que vous voyez ici. Vous pouvez voir des semences d'orge ici avec un traitement spécial que nous ajoutons pour nous assurer de les protéger contre les maladies. Alors ce qu'il faut faire ici... Si on, on tasse la terre ici, on peut voir qu'il y a de l'humidité la, de la, de ici. Donc c'est juste, tout juste un petit peu en dessous de la surface. Vous voyez un peu ces, ces poussiéreux ici, mais on n'a pas besoin de creuser bien loin pour euh, détecter de l'humidité. Et c'est exactement là où on veut insérer les semences. Bon, c'est environ 1 euh, pouce ou euh, jusqu'à 1,3 pouces. C'est là où on, on vise à insérer les semences avec euh, mon beau gros tracteur. Wow, vous avez partagé beaucoup d'éléments dans la première partie de votre vidéo sur l'ensemencement. Bon, alors que nous, nous avons des questions qui nous proviennent de partout au Canada, quelle est l'importance du sol pour toutes vos opérations? Très important. En fait, ce n'est pas seulement la base élémentaire de ce qui nourrit ma famille, mais c'est vraiment de là que part la culture des aliments pour toute la civilisation. Si nous ne protégeons, si nous ne protégeons pas le sol et nous ne nous assurons pas de, de le nourrir pour, pour les, les, les cultures, alors il ne va pas produire des cultures. C'est pour ça que nous avons... Nous... Demandons à des scientifiques du sol de nous aider et de nous donner leurs recommandations. Alors, comme j'ai mentionné, nous avons à peu près l'équivalent de 4000 champs de football, de terrain, et c'est très, très grand. Donc, nous utilisons de la technologie pour nous assurer que chacun de ces ocres euh, puisse accueillir une quantité de semences et de fertilisants adéquats. C'est très important ce que vous nous dites sur la technologie d'agriculture. En fait, ce que vous nous dites, c'est que chaque section carrée de votre terrain, vous, vous savez ce qui se passe dedans et qu'est-ce qu'ils ont besoin. C'est comme les étudiants, chaque personne, chaque étudiant, tout le monde est unique. Alors, il faut s'assurer de savoir qu'est-ce que chaque personne a besoin exactement. Oui, même quand on se promène dans les terrains, il y a différents endroits des montagnes, des vallées. La structure du sol est légèrement différente. Alors, on veut s'assurer de la gérer, de la protéger du meilleur, de ne, le mieux qu'on peut. Alors, voici une question d'un étudiant du Canada. Alors, quelqu'un de la James Valley Middle, de, des années du milieu de la James Valley, aimerait savoir si euh, vous utilisez le. Si vous utilisez l'ensemencement sans labo. Alors, il y a à peu près 98 des fermiers dans la province de Saskatchewan qui utilisent l'ensemencement sans labo. Ça permet d'ouvrir légèrement le sol pour y insérer les, les semences et le fertilisant. Et puis, toute la paille qu'on utilise des années précédentes de production se décompose avec le temps et elle forme des matières organiques. Donc, euh, je suis très très chanceux parce que mon père a décidé de changer, vers ce, de faire la transition vers ce système euh, en 1996. Et euh, le résultat, c'est que la, la matière organique sur nos sols euh, produit un sol qui est très noir et très riche. Et nous découvrons que ces pratiques sont bénéfiques pour l'environnement et pour les cultures. Elles permettent de elles emmagasinent du carbone dans le sol, alors c'est meilleur pour l'environnement. Et je crois que les nouvelles données montrées en Saskatchewan, il y a 95 de nos émissions qui sont euh, absorbées par le sol. Alors, nos émissions sont seulement de 5 et proviennent de, bon, des fertilisants et de nos moteurs diesel. Alors, nous tentons d'atteindre la carboneutralité et nous, nous fonçons vers l'avant. Ouais, C'est une grande chose qui se produit en agriculture et de beaucoup d'innovations qui visent à aider le monde. Alors, lorsqu'on sait beaucoup de, de, de carbone, surtout avec la condition qui évolue, des, les conditions euh, météorologiques extrêmes qui évoluent, alors, ces pratiques qui nous permettent de protéger le sol et euh, ce qui, en fait, se, se répand à la nourriture. Alors, passons à une autre question. Madame Thorson, des classes de 3e, 4e année, combien de machines à semences avez-vous pour une ferme de votre taille? C'est difficile à dire avec la photo que vous avez vue, mais le système d'ensemencement que vous avez vu était aussi large que 66 pieds. Alors, avec ça, on pourrait probablement ensemencer un petit peu plus que toutes les terres que nous avons. Alors, ces systèmes d'ensemencement, en général, pourraient ensemencer environ euh, de 5 000 à 6 000 acres. Alors, en termes de, de terrain de football, c'est beaucoup. Alors, le, les machines que nous avons sont, sont pas mal de la bonne taille pour la taille de notre ferme. Ouais, j'aimerais qu'une activité pour les étudiants serait de, de s'étendre sur 66 pieds et de voir c'est quoi à peu près la, la taille, la largeur de vos machines. Une, une question de plus. Euh, Produisez-vous seulement des semences, des céréales euh, Oui. Sur notre ferme, nous avions avant de, une ferme laitière et puis nous avions aussi euh, de la production bovine. mais Nous avions des oeufs également, des poulets qui des poules qui produisent des œufs, mais euh, nous avons découvert, mon frère et moi, que, et mon père essaie de nous aider, mais il a 78 ans, alors nous avons découvert que c'est beaucoup de travail euh, de prendre soin de tous ces animaux et de bien s'en occuper sur la ferme de semences, de céréales. Alors nous avons décidé de produire seulement des céréales et, euh, bon, en fait, en général, nous faisons la rotation. Des, 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 des cultures. Alors nous avons du canola, nous avons du blé, nous avons euh, de l'orge que, comme je l'ai mentionné, pour la production de la bière. Nous avons de l'avoine pour le gruau et les barres granola. Nous avons également du seigle. Euh, vous pouvez demander à vos professeurs comment le seigle est produit et euh, en fait pour la moutarde brune. Nous avons un groupe de cultures très variées et en rotation et nous en occupons pour les protéger contre les maladies et les pestes. Une excellente question, Janelle. Ensuite, vous avez mentionné la rotation des cultures. Comment cela est-il avec les pestes? Est-ce qu'il est qu y a d'autres éléments aussi euh, selon la rotation? Alors, chaque année, sur cette terre, nous allons faire croître une culture différente. Nous n'allons jamais faire euh, pousser, par exemple, de l'orge ou du canola d'une année à l'autre. Nous faisons toujours euh, ces cultures en rotation. Alors, qu'est-ce qu'une rotation de culture? C'est de s'assurer de faire pousser différents types de cultures sur le terrain chaque année. Et les bienfaits sont, par exemple, la résistance aux maladies et aux pestes, que ce soit les insectes, les, les mauvaises herbes euh, qui, qui se présentent dans les cultures. Alors, c'est très, très bénéfique pour les cultures. Nous faisons également pousser des pois, des pois jaunes sur notre ferme et ces différentes structures et différentes profondeurs dans le sol qui vont chercher des nutriments et de l'humidité à différents niveaux. Donc c'est très très bien pour les structures de racines et euh, je veux dire aussi pour la variabilité. C'est comme il y a plusieurs variétés de sol et c'est bénéfique euh, à, à long terme. Maintenant, voyons plus loin l'ensemencement avec la prochaine partie de notre vidéo. À l'intérieur du tracteur se trouvent différentes commandes et je vais vous montrer à quoi ces commandes ressemblent à l'intérieur. C'est un, un peu bruyant ici, mais bon, vous voyez, ça bip déjà à côté de moi. Bon, on va fermer la radio. Vous pouvez voir. Que j'ai différents éléments ici. J'ai le contrôle hydraulique ici. J'ai différentes commandes. Des commandes pour la pression dans la bonbonne, dans la tank. Qui, le, le ventilateur qui tourne et qui me donne la pression. La pression que j'ai besoin pour faire sortir les semences. Vous voyez ici sur le moniteur, il y a la pression des, euh, de, du système d'ensemencement, comme je l'ai dit avant. Chaque euh, rangée a son propre, euh, son propre, propre mécanisme. Et euh, voici, ici, c'est la, pro la profondeur. Ouais, ici, le moniteur me dit s'il y a des tubes qui sont bouchés. Ici, c'est le système principal avec le système de commande de direction automatique. Et comme je l'ai mentionné avant, vous avez l'hydraulique les, 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 ici. Et ce système ici s'active ou se désactive automatiquement. Et puis ici, je passe par-dessus une section que j'ai déjà faite pour quelques raisons. Alors, il se ferme automatiquement. Et je peux voir combien de livres d'azote que j'insère je, que je, dans le sol selon les recommandations du scientifique. Alors, je veux vous montrer brièvement comment ce système fonctionne. Alors... L'anhydre ici va dans ces disques ici qui va... Il y a des tubes à l'arrière, des tuyaux en arrière qui tirent, qui s'allongent jusque dans le sol. Alors, nous essayons de ne pas perdre d'azote dans l'environnement et nous essayons d'utiliser autant que possible. Alors, c'est un petit survol de comment ça fonctionne. Alors maintenant que nous attendons de voir la première question de nos étudiants, je vais donner à tous l'activité de se demander combien de carrières ou d'emplois de, de, sont nécessaires pour qu'un tracteur comme celui de Clinton puisse se, se déplacer et euh, comment il doit s'assurer de faire qu'il est capable d'ensemencer euh, chaque année. Alors de la classe de Miss King. À quel endroit envoyez-vous les semences après qu'elles sont récoltées? C'est une excellente question. Tout dépend de la culture. Alors, par exemple, euh, il y a des grandes usines de, 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 de canola à l'extérieur de Saskatoon qui, se, qui reçoivent la majorité de notre canola. Mais nous avons également d'autres éléments comme l'avoine. Et l'avoine se rend vers des. Euh, Des meuniers à grains qui sont à Yorkton et elles se font nettoyer puis elles se font euh, moudre en, en, en plus petit pour par exemple les barres granola dans, que vous trouvez dans les épiceries. Il y a beaucoup de choix dans notre région euh, de place. Où nous pouvons vendre notre grain une fois qu'il est récolté. C'est une excellente question. Il faut savoir comment choisir ces cultures d'une année à l'autre. C'est pour avoir, euh, pour tout garder à l'esprit pendant le processus. Donc, je vois cette question, et c'est très intéressant, qui vient de Ziana. Alors, je, je suis les commentaires pour voir. Euh, et voilà. Et, euh, comment savez-vous ce que signifient tous les boutons? Alors Bon, il y a une saison d'essais et d'erreurs. Alors, quand, je, je vais être honnête. Après une saison de ne pas être dans le tracteur, il y a quelques fois où c'est un petit peu. Euh, je suis confus devant tous les boutons, mais je fais bon un petit euh, run d'essai. Et puis, euh, bon, la plupart c'est comme un iPad ou une tablette. Alors, il y a souvent un, un bouton d'aide. Et puis, si on tape dessus, c'est très très convivial. Donc, ça nous aide à comprendre le système. Bon, en fait, c'est comme c'est comme utiliser un iPad ou une tablette. Alors. C'est la même chose dans un tracteur. Des fois, ça peut avoir l'air un petit peu euh, beaucoup, pour, mais c'est très bien de savoir qu'il y a de l'aide et du soutien pour s'assurer de la convivialité de, de, de tous les utilisateurs. Alors, passons maintenant à notre pause et puis nous allons revenir et voir d'autres vidéos et de répondre à des de questions qui nous viennent du Canada. Nous sommes de retour avec Clinton qui va nous parler plus de sa ferme. Et voilà la pulvérisation dans notre prochaine vidéo. Bonjour tout le monde, c'est encore moi Clinton et je vais seulement vous parler un peu de la pulvérisation des herbicides, des fongicides ou des insecticides. Dans un monde parfait, les cultures seraient euh, plantées et il y aurait seulement ces, ces choses-là qui poussent. Ça, c'est du blé. Mais les mauvaises herbes euh, prennent tous les nutriments et ils les, ils les volent aux plantes que nous voulons essayer de pousser, comme par exemple, c'est de l'orge ici. Et on ne veut pas que les mauvaises herbes prennent tous les nutriments. Alors ici, c'est un petit champ, c'est à peu près 110 acres, donc 110 euh, terrains de football. Alors vous pouvez vous imaginer que si on récoltait tout ça à la main, mon dos serait, euh, me ferait beaucoup plus mal que maintenant. Alors nous devons utiliser des herbicides. Et mon frère vient d'arriver avec euh, la machine pour, euh, la, pour pulvériser. Aujourd'hui, moi, je m'occupe de l'eau. Alors j'ai deux grosses euh, tanks ici. Et il vient et il va ouvrir un petit peu. Il va se promener dans le champ et les, le produit que nous pulvérisons va seulement tuer les mauvaises herbes. Alors nous allons nous occuper de ces pissenlits et nous allons laisser l'orge parce que l'orge fait de la bière, alors nous voulons que ça soit de l'orge en santé. Et non seulement ça, mais les mauvaises herbes. Prennent les nutriments du, de l'orge. Alors nous voulons nous assurer que, euh, de faire pousser un orge qui est en santé et qui est bien garni. Et tout ça sera prêt à récolter en août ou en septembre. Alors c'est pourquoi nous épandons des herbicides et que nous assurons d'avoir des champs qui sont propres. Alors voilà mon frère qui est ici, juste l'autre côté du coin. Alors voilà à mesure qu'il se rapproche la pulsation du pulvérisateur qui répand les herbicides et euh, pour s'assurer que le tout est plus efficace. Restez ici les chiens! Wow, c'est toujours bon de savoir pourquoi on répand des herbicides comme ça. Et c'est pour en fait être capable de faire pousser une récolte qui est en santé. Les herbicides ne sont pas seulement utilisés pour le plaisir. C'est très, très bien réfléchi. Tout, tout est, est pensé pour garder les récoltes et le sol euh, en santé. C'est une bonne vidéo. Alors, nous avons d'excellentes questions, d'excellentes réponses à ma question. Alors, combien d'emplois ou de carrières sont impliqués dans ces dans cette technologie. Alors, nous avons des, euh, des personnes qui ont devenu de 10, 2, 8, 9, des centaines, 35. Et il y a beaucoup de carrières qui, qui tournent dans, autour de cette technologie. Donc, machines, tracteurs, euh, mach tout, tout ce qu'on a besoin pour euh, faciliter les activités agricoles. Donc, par exemple, euh, il y a quelqu'un qui n'est pas intéressé par le codage, pourrait être un ingénieur, un technicien, un électricien, comprendre comment le gaz et le diesel fonctionnent pour assurer les systèmes. Et c'est bien des carrières différentes qui font en sorte que ces technologies sont possibles. Alors, que pensez-vous? 100 oui, il y a tellement d'emplois de, différents qui, qui touchent au secteur de euh, l'agriculture en termes de technologie et de sciences. Il y a également beaucoup d'emplois qui sont disponibles en recherche, le développement et comme vous l'avez mentionné, l'ingénierie et euh, l'informatique. Comme vous avez vu à l'intérieur du tracteur, c'est un peu comme un ordinateur maintenant. Alors, je vous encouragerais, j'encouragerais beaucoup les étudiants à considérer l'agriculture comme une carrière lorsqu'ils ont terminé leurs études. Merci pour vos euh, devinettes. Nous allons maintenant présenter une question de la classe de Miss Torsons, de troisième quatrième année. Comment vous protégez-vous des sprays et est-ce que c'est sécuritaire pour les humains Alors, comme je l'ai mentionné, nous pulvérisons un herbicide. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on se concentre sur les plantes et sur la structure des plantes euh, sur une base cellulaire. Ce que ça veut dire, c'est que ça n'affecte pas vraiment les humains. Par contre, il faut quand même prendre des précautions lorsqu'on pulvérise euh, l'herbicide. Alors, il faut porter des gants, il faut porter des sucs différents, et puis il faut se protéger les mains et le visage. Et puis, euh, on, on se lave bien les, les mains et le visage, juste pour être sûr qu'il n'y a pas de, de résidus après, après l'opération. Alors, une fois que l'herbicide est appliqué, c'est en fait, il, il, il agit sur les plantes seulement. Et comme en, comme on, on, quand on pulvérise de l'insecticide, alors ce serait une histoire différente, mais il faut avoir faut des précautions plus poussées. Comme par exemple, personne ne va dans le champ pour 48 heures, il faut avoir un respirateur euh, quand on va dans la tank. Euh, la seule chose avec les insecticides, c'est qu'on ne les utilise pas souvent. Alors, dans les cinq ou six dernières années, nous avons seulement utilisé deux fois des insecticides dans deux champs différents. Alors, nous essayons de réduire autant que possible leur utilisation. L'Agence d'inspection alimentaire du Canada et, de, et Santé Canada euh, ont appliqué des régulations pour s'assurer que c'est sécuritaire pour les travailleurs qui les utilisent et l'environnement. C'est toujours bon d'avoir, d'en de, 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 de savoir les différences sur euh, les précautions de santé qui sont considérées. Alors maintenant, voici une autre vidéo sur la récolte. Alors, comme on m'a demandé de parler d'un aperçu de comment une moissonneuse-batteuse fonctionne, ce que vous pouvez voir derrière moi, c'est que nous coupons euh, l'orge. Alors, il y a cette pièce de machinerie ici qui coupe l'orge à une vitesse très élevée et se termine sur une pièce de machinerie qui absorbe, qui, qui, qui aspire les, les, ce qui a été coupé et qui le prend, cette machine le prend et l'attache, le, le réunit tous ensemble. Et puis après, il. Il se passe dans un rotor des combines. Toutes les combines sont différentes, mais les rotors, en fait, font tourner très, 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 très vite et séparent les plantes des grains. Et puis, la paille euh, est évacuée à l'arrière et les semences sont conservées euh, dans la machine. Alors, comme vous pouvez voir, il y a de la poussière en arrière. Donc, c'est la paille qui est poussée à l'extérieur avec les gras et qui euh, sont utilisés, en fait, qui sont répartis sur le terrain, se décomposent sur le dessus du sol pour créer de la matière organique. Alors, nous recyclons une bonne portion de ce que nous faisons pousser, et euh, de cette façon, nous sommes euh, euh, très... Euh, c'est très bon pour l'environnement. Alors, en fait, tout ce qu'on fait, c'est faire sortir les grains, les semences. Cet élément ici, c'est un peu le cerveau de l'opération, comme les, les, les indicateurs, les moniteurs qui euh, s'occupent de tout, comme la direction automatique et puis euh, les données sur euh, la récolte. Et nous, nous gardons ces données pour prendre de meilleures décisions plus tard sur euh, nos opérations. Alors, c'est un peu comme ça qu'une moissonneuse-batteuse fonctionne pour les grains et. Euh, tous ces grains qui vont dans, un, dans une benne après pour euh, transporter. Alors, nous avons un opérateur qui vient, et, mais comme nous n'avons pas le GPS, euh, puis que le tracteur est dirigé par euh, un système automatique, alors il faut s'arrêter. Donc, euh, comme vous pouvez voir, euh, je viens de m'arrêter et mon père va venir prendre une, un chargement de grains. Les camions sont là-bas. Vous pouvez voir les gros camions là-bas avec leurs remorques. Ils vont prendre les semences, ils vont les mettre dans un, un contenant vert qui va également être envoyé. Alors, vous voyez ici, c'est le, le beau-père de Andrew et qui prend tout le grain parce que d'ici, vous allez, voyez, le grain est. Se fait pousser euh, à l'extérieur du con, euh, conteneur dans la machine. Alors que vous pouvez le voir, qu il descend ici dans la benne verte. Et tout ça se rendra éventuellement à une, euh, une entreprise, de, une distillerie pour faire de la bière. Bon, C'est bien d'entendre parler des, des profits de, des, des récoltes et comment vous avez parlé de recyclage? Alors, comme nous atteignons la fin de euh, notre euh, visite, alors passons à une autre question. Ernie aimerait savoir quel est, quel est votre travail favori sur la ferme? Bon, J'aime beaucoup euh, conduire la moissonneuse batteuse. Pour moi, c'est tout le, le travail d'une année, une année de travail au complet qui, qui, qui s'accomplit. Et euh, je peux voir le résultat de Mère Nature qui s'est bien occupée de nos récoltes sur notre ferme, c'est génial. Alors, c'est un peu comme mon jour de paix, vous voyez? Donc, tout avec la, la bonne température, la météo, et nous pouvons nous permettre de euh, commencer une autre année de, de ferme, d'agriculture. Alors, j'aime beaucoup les récoltes et la saison des récoltes. Alors, il y a Ernie aussi. Il y a, il y a aussi une, euh, il y a une senteur unique dans les prairies pendant la récolte. Et c'est un peu un mix entre la, la saison d'automne et puis la poussière qui est dans l'air, je ne sais pas. J'ai toujours dit que si j'avais un jour de plus sur la terre, c'est là où j'aimerais être, pendant la saison des récoltes avec ma famille dans la moissonneuse-batteuse. Ouais, je crois que ça nous, ça nous encourage tous à peut-être un jour aller en Saskatchewan durant la saison des récoltes. Oui, wow, ça serait, ce ça serait super. Alors, Clinton, ça a été une, une occasion exceptionnelle d'être avec vous et de nous plonger dans euh, l'agriculture des semences. Aimeriez-vous partager quelque chose d'autre avec nous aujourd'hui? Je crois que j'aimerais seulement vous dire euh, que si vous avez d'autres questions pour moi, alors sentez-vous libre de m'envoyer un courriel, comme je l'ai mentionné, à Farm and Food Care Saskatchewan. Ou à Canadian Food Focus, vous pouvez me trouver euh, également à Canadian Food Focus. Il y a beaucoup de grandes ressources sur l'agriculture en classe et euh, merci beaucoup euh, d'avoir euh, un intérêt à l'agriculture. Je vous encourage à, re à rechercher de votre côté plus encore. Merci beaucoup Clinton. J'ai appris quelque chose de nouveau aujourd'hui et je suis sûr que tout le monde là, également partage cette découverte. Je vais maintenant partager le mot mystère. Farms, ferme. En anglais, farms, en français, ferme. Alors, c'est un, un mot excellent pour Clinton parce que nous parlons de sa ferme verte. Merci beaucoup de vous être joints à nous lors de cet épisode de la Grande Tournée des fermes canadiennes. Notre prochaine visite sera le 4 novembre à midi, l'heure de l'Est, et sur une ferme d'Inde, dans Alberta. Alors, au revoir tout le monde.